Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. À présent, nous continuons la suite du programme avec Madame Midi. Nous allons demander aux différents représentants des structures concernées à venir chacun à son tour nous faire l'économie de son secteur. Nous commencerons par le directeur général de l'Office des routes. Directeur général de l'OVD. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, avec votre permission, je voudrais donner à l'assistance les principales articulations du programme s'agissant des routes d'intérêt général. En ce qui concerne ces routes, nous avons prévu d'intervenir sur trois secteurs. Le secteur route, secteur pont et secteur bas. En ce qui concerne le secteur route, nous avons prévu une intervention sur 2800 km à travers toute la République. Nous avons prévu d'intervenir sur 42 et sur 34 ponts à travers la République. S'agissant particulièrement des routes, nous allons, en ce qui concerne le banc électrique central, travailler sur la route Kisangani-Bidinga, Ntema-Mutsena, Bomamanga, Bazambungu, Kamba, pour ne citer que ces routes-là. Et nous allons aussi intervenir sur les ponts qui déjà à partir de lundi. Il commence à insulter et puis il s'applaudit. En ce qui concerne la province de l'Ex-Bangui, nous allons travailler sur la route Pipit jusqu'à Bachamba, de Bachamba à Bourou, de Bourou, de Bachamba à Ikoka et de Pipit à Bourou. Nous allons aussi intervenir sur les ponts sur l'axe Kinshasa pour la route et Benassi. Nous allons travailler aussi, toujours dans la partie ouest, sur la route Tongatabangu qui va jusqu'à Inongo. Concernant la partie nord,
Notre action portera sur la liaison entre Mbandaka et Bouindé. Et partie nord, nous allons intervenir sur l'axe Lissana-Gourma, Gemena et Gemena-Mbandaka. Nous allons aussi affecter nos brigades sur l'axe routier Nyanya-Issou, où un pont qui s'est déplacé récemment sera aussi réhabilité. Pour la partie Est, notre action portera sur l'axe Béni-Boutembo et entre Boutembo et Goma. De même qu'entre Goma et Bukavu. Nous allons aussi intervenir sur la partie numéro 3 entre Bukavu et Mouta. En ce qui concerne la partie nord toujours, nous allons intervenir entre Kindu et Kassongo et de Kassongo allant vers Bukavu par la route nationale numéro 2. Pour la partie est toujours, nous allons relier Kalani, Kalemi à Fizi dans le premier territoire. Et nous allons aussi entre Kassongo et Pedro travailler sur cette exécution. Pour la région centre, de Mbujimayi à Wenedjupu, nous allons entamer des travaux. De même que de Mbujimayi à Kakata, à Bantamanga, allant vers Kananga, les travaux seront exécutés aussi bien sur l'activité, de même que sur les ouvrages d'art. Pour la partie sud de Kolwezi, nous allons aller vers la frontière avec Angola, entre les bâtiments du Sud. Et puis entre Nduba, l'univers de Boutou et le Kamina Kanyama, nos brigades seront aussi déployées. En ce qui concerne les bacs, nous avons actuellement 24 nouveaux bacs qui seront déployés dans les 3 prochains mois à travers toute la République. Et nous allons aussi réhabiliter les bacs qui actuellement posent en bac. C'est ça le programme qui sera réalisé pour la bénéfice de l'autre parent de 3 prochains mois. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus défendu. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités du protocole de CG. Nous sommes honorés d'être ce jour associé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancement du programme de ses 100 premiers jours à la tête de l'État congolais. L'OVD est un établissement public à caractère technique, placé sous la tutelle du ministère ayant dans ses attributions les infrastructures, travaux publics et reconstruction. L'OVD est chargé de la gestion des valises urbaines, des ouvrages d'assainissement, ainsi que des sites érosifs. Le réseau est sur la gestion de l'OVD est constitué de 9750 km de longueur, 1968 km de vêtus, soit 20%, et 7770 km en terre, soit 79%. Ainsi que de 616 km de collection. Dans le cadre du programme à l'époque sur les 100 premiers jours, il est prévu la réhabilitation des voies urbaines à Kinshasa, comme dans les provinces, ainsi que l'aménagement de certains grands carrefours dans la ville de Kinshasa, par l'érection des ouvrages d'art communément appelés saute-moutons ou échangeurs. En ce qui concerne
les travaux de réhabilitation des voiries ferroviaires de Kinshasa qui sont lancés ce jour. Une porte sur 40 km d'axe répertoriée par district de la manière suivante. De la district de la Tchang, nous avons répertorié trois axes importants comme l'avenue Pelende, l'avenue Kumumba et l'avenue de la Stadière. Thank you.
Des bâtiments et des travaux publics, de l'industrie, des services miniers, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du trading et de la santé. C'est aussi ici le moment de rappeler que nous remplissons pleinement notre responsabilité sociétale. La tradition qui est présente depuis ses débuts, à travers ses fondations, les fondations de Saint-Martin-Provence et les fondations de Saint-Provence. Nous intervenons dans le domaine de la santé, éducation, petite enfance, environnement, culture. Nous participons à la promotion de beaucoup d'artistes congolais de l'art contemporain. En ce qui nous concerne, nous avons quatre projets. Le premier, c'est dans la province du Haut-Katanga. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a répété. Nous sommes dans les travaux de réhabilitation et d'équipement de l'hôpital général Sénou. L'objectif est de rendre ces lettres de noblesse à ce grand ouvrage hospitalier de la province du Haut-Katanga en réhabilitant entièrement l'immeuble dans les travaux de fond entre carrelage, peinture, châssis, plomberie, porte et rénovation des tout les centres. Donc l'hôpital, une fois les travaux terminés, sera un hôpital aux normes internationales. Dans la province du Tanganyika, nous intervenons dans les travaux du pont Nyemba et la construction, et la réhabilitation et l'ouverture de la route RN33. Tronçon Kalimi rivière Nyemba, long de 104 km, et construction de 16 dalles et des aménagements des divers endroits. Cet ouvrage participera au développement des villes de Manono et de la région et à l'amélioration de la sécurité de la province du Tanganyika. En ce qui concerne la ville province de Kinshasa, l'objectif des travaux consiste, le DG de l'Ouvrira également répété, à la réhabilitation de la rue Mouma et la construction d'un nouveau pont de 30 mètres dans la commune de Massina afin de permettre d'une part le désengorgement de l'unique voie conduisant vers l'aéroport de Guigny et d'autre part de la construction des entraînements des quelques communes. Province de Kinshasa et Congo, nous avons un contrat portant sur les travaux de réparation aquatique, la route RN1, Lyon 1, transant l'aéroport de Djili au Tanganyika, long de 204 km, dont le but est de fluidifier le trafic routier et participer au développement de la région. L'ensemble de ces projets s'intègre parfaitement dans le programme urgent de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour répondre aux besoins des populations locales. Une fois toutes les conditions réunies et soucieux de vous accompagner, le groupe Forest va se démobiliser pour achever ses travaux dans les meilleurs délais. Pour la route de Kounouba et RM1, 3 mois suivants. Pour le pont Nyemba et la réouverture de la position du pont, 9 mois. Et pour l'hôpital général de Tsevagoumbashi, 16 mois. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voilà en quelques lignes le projet nous concernant et restons à votre disposition pour toute information que vous voudrez. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président.